De messe, prions pour que la lumière de l'Esprit Saint éclaire Christina. Messe de remerciement pour le Père, le Fils, Saint-Esprit et la Vierge Marie demandée par Mala Marie Murthy. Pour les défunts Gaëtan Tranquille, Marcel Joson, remerciement à la Vierge Marie. Pour la famille Nadal, Fritz, Suzy, Clausel, Ursule, Camille, Clovis et Max. Pour la famille Laville, Marcus, Noé, Janine, Gabriel, Suzanne. Pour Michel, Suzanne, Théodore, Ludmilla, Grégoire, et tous les défunts des familles Laville, Théodore, Médor, Souris, Berger. Pour la famille Duval, Aurélie, Élodie, Alicia et Jean-Noël. Pour le repos de l'âme de Suzanne, Alain, Hervé, Jeannette, Bateau. Pour Hansley, Pitois, France, Mertil. Et le défunt, Louis Sirengen. Pour Roger Gray, décédé en Amérique il y a un mois. Pour Hansley Pitois. Pour les 8 jours de Jean Roch. Pour France et tous les défunts de la famille Cato et Jean. Et pour toutes les âmes du purgatoire, nous les portons tous dans nos prières. Nous mettons debout. Don't
Bonjour et bienvenue à tous. Alors nous prierons aussi pour le repos de l'âme de Georges Marimoutou. Nous finissons arrive troisième dimanche carême et que ce week-end-là, nous avons la joie pour accueillir Mandimoun qui sortit dans tout coin Maurice pour 40 ans. Et que doucement, nous pouvons continuer la montée vers Pâques. Garde confiance. Allah, c'est qui parole, bon Dieu, peut dire nous aujourd'hui. Dans le monde, que tout peut aller vite, que tu as malheur ou malheur, que la vérité est défigurée. Nous perdons confiance bien, bien vite. Nous fermons nous les cœurs. Mais toi, Seigneur, ce week-end-là, te dis nous, vini dans la joie. Vini. Vincent pour toi, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu qui est toujours présent pour ce peuple. À nous, garde confiance dans bon Dieu, nous, Papa. Nous pour continuer annonce le Seigneur. Oui Seigneur, te donne-nous la vie, te donne-nous le corps de ton Fils, le sang de ton Fils. C'est pourquoi, dans la confiance, nous venons à toi et nous te demandons pardon. De nous en l'équerre comme à toi. Change nos cœurs.
Nous finissons les et que nous connaissons les mêmes vrais sauvés le monde. Seigneur, te montrez-nous qui peine à l'amour sans pardon et qui peine à pardon sans l'amour. Et pourtant, difficile nous, pour nous pour content, difficile pour nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous un équerre comme à toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions, Seigneur, toi-même la source, source de toute bonté, de toute miséricorde. Te vigne, guéris-nous de notre péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute notre faiblesse, viens à notre secours par Jésus ton Fils qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Parole dans le livre l'Exode, raconte-nous comment dans les passés, bons enfants Israël t'y découragés, parce qu'ils t'y accablés à la soif. Seulement, bon Dieu papa, zamé pas fin les œufs tout seul, l'in relève ce peuple. À nous écouter une parole dans le livre l'Exode. Bans enfants Israël, t'y peux camper dans le désert Refidim. Quand je t'y peux accabler à la soif, je devine plein en Moïse. Je dis à lui, qui fait de finir nous dans l'Égypte pour faire nous et que nous bannes enfants et que nous bannes animaux morts de soif. Moïse finit arrivé à un point que il n'est plus capable. L'air là, il dit au bon Dieu, qui me pour faire à sa peuple là? Je te prie pour tout moi que tu reçois. Le Seigneur répond à Moïse. Mose dit en eux, prends des trois anciens, Israël en toi, prends le bâton qui te servit pour séparer la rivière Nil, après ça, allez. Moi pour la même, moi pour dix bouts devant toi, l'oros horrible. Ta bâton là, fort l'oros. Léa, dis-le pour sourcer et l'épée pentier. Pour capable boire. Moïse fait ça, dit un ancien Israël. Il appelle ça l'endroit là Massa, ce qui veut dire défi. Et Meriba, ce qui veut dire accusation. Parce qu'il dans ça l'endroit là, bans enfants Israël fin la guerre les seigneurs et fin tester les seigneurs quand je fin dire est-ce qu'il s'abondit là, en nous-mêmes ça? Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Azondi n'a pas ferme de l'équerre. Écoutez, écoutez la voix de bon Dieu. Écoutez, écoutez la voix de bon Dieu.
croissante pour les seigneurs. À nous acclame, nous protecteur, nous sauver. Vini, à nous al divan li, à nous rendre les grâces. Avec nous, banzoli santé, à nous acclame li. Azodi, n'a pas ferme de l'éclair. La voix de bon Dieu. Vini, rentrez, prosternez-vous à nous. Adore-nous, Seigneur, nous créateurs. Oui, lui-même, nous bon Dieu. Nous-mêmes, ce peuple, ce bâtira. Sous parole, pas ferme, je te l'écœur, comme ma dans des airs. Quand je te balance, fin d'iman prêve, fin provoquer. Pourtant, je te fin trouve tout ce qui m'a fin faire pour ça. Tout le monde qui veut de place, il y a beaucoup de place devant là, et puis il y a beaucoup de place par ici. Alors, vous êtes capable de monter, venir prendre place dans le banc ici. Pas hésiter, montez. Montez. Allez sur la droite, vous trouverez de la place. Venez devant, vous aurez de la place. Partout, il y a de la place. Très bien. L'espérance ne trompe pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul. Cette belle parole s'accomplit encore dans nos vies aujourd'hui. Osons simplement faire confiance à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce, dans lequel nous sommes établis, et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par l'Esprit Saint, qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Ta parole est le chemin qui nous mène.
sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive et nous n'aurons plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Alors, si vous pouvez écouter une bonne plus grande lecture qui existait dans l'évangile de saint Jean, la Samaritaine. Je te connais cette histoire quand Jésus est fatigué, il finit de marcher, il est arrivé midi. Il peut gagner soif. Et il peut n'a courage pour l'aster manger. Il dit à ce bon apôtre, à l'aster manger, amener. Et lui, il vient assise au bord d'un puits, le puits de Jacob. Et quand il vient assise là, il peut assiser, reposer, il y a une samaritaine qui vient rôde de l'eau à midi. Et je connais entre samaritains, et juifs, je n'ai pas d'accord du tout. Je toujours la guerre. Alors Jésus demande à madame là, donne-moi un peu d'eau pour boire. Il dit quoi? Toi, un juif, te demande moi, un samaritain, donne-toi de l'eau. Jésus dit, si toi tu connais, qui ça là peut demander toi de l'eau? Si toi tu connais cadeau bon Dieu, toi tu peux demander moi de l'eau toi-même. Femme là dit à lui, quand tu es capable de donner moi de l'eau la source, tu peux avoir un CEO pour tirer de l'eau. Comment tu es capable de dire que tu peux donner moi de l'eau la source? Et là, Samaritaine là, dit, est-ce qu'il y a plus grand qui nous ban en cette Jacob, ou plus grand qu'il y, qui ou peut déclarer? Jésus dit, Ali, tout le monde qui boit de l'eau qui Jacob fin donner, il peut gagner toujours soif. Mais moi, ça de l'eau qui me pour donne toi là, jamais tu peux gagner soif encore. Mais Michel, mais donne-moi ça de l'eau là. Donne-moi ça de l'eau là pour qu'il me n'ait plus besoin vine l'eau, ça puits là pour venir rôde de l'eau. Et là, Jésus dit à lui, mais un jour pour arriver, quand pour adorer moi en vérité, l'eau sa montagne, quand tu étais là, comme à la montagne de Jérusalem, partout du monde pour adorer moi. Mais l'air peut coster, l'air fin arrivé, quand ban vrai adorateur pour adorer nous bon Dieu, comme il y était vrai même, dans l'esprit, dans la vérité. Et les temps Jésus peut causer comme ça. Femme là dit elle, Jésus dit elle comme ça à un moment donné, amène ton mari. Jésus pour dire, femme là pour dire, mon peine à mari. Jésus dit elle, tu as raison, tu dis ton peine à mari. Tu tiens à 5 et sa 6e qui est avec toi là, c'est pas ton mari. Femme là, elle est tellement touchée. Elle dit, mais comment tu connais tout ça là? Toi-même le Messie? Toi-même le Christ qui peut venir? Et là, Jésus dit, moi qui peux causer en toi, moi-même le Messie.
Et le temps, il finit, dit ça. Dis-nous qui beaucoup Samaritains finent croire dans Jésus. Pas parce qu'ils sa madame là finent dire, mais parce qu'ils ont fin trouvent Jésus et ils ont tant Jésus. À nous acclame parole bon Dieu. Nous connaissons bien la Samaritaine, nous connaissons bien ses affaires de l'eau, route de l'eau, vigne route de l'eau, bois de l'eau, gagne de l'eau la source. Et nous connaissons bien aussi, dans la première lecture, qui problème première lecture? Ben là, dans le désir, je peux route de l'eau. Je dis, Seigneur, finalement, de nous, papa, de nous de l'eau, que nous pour gagner de l'eau, nous besoin boire de l'eau, je t'acquise Moïse, papa, gagne de l'eau. Je veux dire, nous poumons, si tu ne dis pas de nous, de l'eau, nous poumons. Et il y a une discussion qui est levée. On a dit à Moïse, qui te vient faire vomir, tu ne pas titiller nous dans l'Égypte, tu ne pas amener nous ici pour nous mourir. Nous rôdons de l'eau. Et quand nous finissons venir aujourd'hui, nous finissons venir 40 heures aussi, nous venons rôdons de l'eau la source. De l'eau la source, il est dans le Saint-Sacrement qui nous finit retirer pour l'instant. Qui est allé à nous pour remettre, c'est là l'eau de la source. Parce qu'il saisit l'eau de la croix, quand il dit l'eau de la croix, dis-nous comme ça, de l'eau existant qui sortit dans ce liquide. Dissant, c'est dissant qui nous boit à chaque fois quand nous fait l'Eucharistie. Nous boit, c'est le vin qui fait une vigne dissant, le sang de Jésus. De l'eau, c'est ça même qui nous boit quand nous prend baptême, nous plonge dans de l'eau, c'est même qui donne nous la vie. La croix et le baptême. Voilà quand le chrétien peut vivre, quand il peut avancer. Le baptême, c'est là qu'il est fini plonger dans l'eau. Et le corps du Christ, c'est même qu'il y recevoir quand il prend la communion. Et quand nous vînons, le Saint-Sacrement nous rappelle que le Saint-Sacrement que nous contemplons, le Jésus dans l'hostie que nous contemplons la source. C'est sur la source, c'est même la source qui donne nous la vie, qui donne nous de l'eau pour nous pas gagner soif. Mais tout ça discours sur de l'eau, sur nous soif, qui fait nous finir vivre là, sur la mort, tout ça là, tout ça discours là, résumé dans cette parole, ce dialogue entre la Samaritaine et Jésus. Quand Jésus, il peut cause de l'eau, la source, la vie éternelle, nous ne pas comprendre rien. Mais quand il dit à lui, Alrod Tomari, c'est là que nous rentrons dans la vie vraie même. Alrod Tomari, et il dit à mon Marie. Il est capable de dire comme ça, mais t'as l'air mauvini là. Moi, Rod lui mauvini, là, il est sauvé, il n'est pas arrivé du tout. Pas arrivé du tout parce qu'il est Marie. Ou bien il est capable de sauver les vignes, il y a l'autre mari, il dit, c'est mon mari ça. Il est capable de jouer un calte rôle. Non, dans la vérité, il dit, mon peine à Marie. Et c'est à partir de cette parole de vérité qu'il y a beaucoup quelque chose pour dérouler. Quand Jésus dit à lui, c'est vrai, tu es une cause de la vérité, c'est vrai, tu es peine à Marie. Tu as fini 5 plus 1 qui n'est pas ton mari. Au fond, ça qui Jésus peut dire à nous, au septième mari. Parce que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Il dit le septième, il ne dit pas dire, mais il dit si tu bois de l'eau qui moi me donne toi, tu pourras gagner la vie éternelle. Parce que c'est ça qui Jésus donne lui, la vie éternelle. Jésus est le septième mari. Le mari parfait qui donne l'eau, qui fin écoute lui, qui fin comprend ses souffrances. Parce que c'est ça qui nous demandait dans une relation homme-femme, non? Nous demandait qu'il nous comprend, qu'il nous écoute, qu'il nous panette, comme a dit, fait quoi, qu'il nous connaît tout. Non?
c'est une espèce de respect, d'écoute, de compréhension. Jésus fin comprend lui d'une manière qui personne pas fin comprend. Alors, ce matin, dans la prison, mon fait la messe avec ma femme, chez les femmes. Et les temps qu'on m'a dit, ce passage-là peut résonner. Je trouve tout ça, ma femme qui est devant moi. Là. Je me dis, je finis avec deux maris, trois maris. Et qu'il faut sa haine qu'avec je n'ai là, pas d'autres maris. Comment dire, ça résonne dans eux. Je dis, oui, mon père. Nous faisons besoin de sauver à la case, nous, maman. Je dis, mais la case, maman, là-bas. Est-ce que maman a fini d'accepter les autres? Parce qu'ils ont allé là, 18 ans. Maman a dit, les autres, parler. Ils ont fini d'aller. Il y a une parole qui gagne. Une bonne femme là, dit à moi. Moi, je dis, il reste dans mon église. Il dit, est sur la case, serré, peine à place, mais sur la porte ouverte. La case serrée, la porte ouverte. Comme a dit, c'est avec sa parole-là qu'il m'a quitté prison aujourd'hui. La case serrée, puis la place. Il dit oui, parce qu'il nous vient avec nous laquer. Des trois enfants sont venus. Mais finir la place pour eux. Parce que la porte-là, elle est ouverte. Vous pensez qui? Tout ça, une femme qui m'a quitté, m'a dit au revoir, bye. Nous venons, nous prier ensemble, nous aller, nous causer, nous sentons l'hymne national, parce que demain, nous ne pouvons pas sentir, nous ne pouvons pas les autres demain. Tout ça là, comme on dit, rempli nous les quais, non? Quand Jésus touche nous, quand Jésus cause en nous, quand il cause en sa bonne madame là, et quand il peut causer en nous aujourd'hui, nous comprenons ce que ça veut dire. Dans nous la case, peine à place, mais nous la porte ouverte pour nous accueillir à toi. Qu'il fasse nous lesquels, il remplit de beaucoup quelque chose, mais nous la porte ouverte. Non, et quand nous venons aujourd'hui, nous venons 40 heures, nous venons recevoir la source. La source, la vie éternelle. En tout cas, donne-nous. Non, si, oui, qu'il faut te peiner la source en toi. Dis-lui, donne-nous. Et quand tu dis la première fois, deuxième fois, te demander. Et puis tu peux gagner. Et quand tu peux gagner en abondance. L'abondance. Dieu, c'est l'abondance. Alors, si nous prenons une petite santé, non? Une petite santé sur l'abondance, sur l'eau. L'eau qui nous recevoir, qui donne nous la vie. Dis-nous, même si nous les quais serrés, même si nous la place, ouvre-nous la porte, ouvre la porte, nous les quais, pour te rentrer. Puis la place, parce qu'il y a beaucoup à faire dans nous les quais, beaucoup quelque chose. Ouvre-nous la porte,
À nous présente nous la prière, bon Dieu, nous papa. À nous dire, écoute nous la prière. Est-ce qui ça bon Dieu là en nous-mêmes ça? Mon Dieu papa, pendant des jours, nous payons l'occasion à dos les courtes garçons à travers Saint-Sacrement. Écoute la prière te peuple Seigneur. Si est tout, pour ban qui peut vivre, ban grand l'épreuve l'on nous paroisse. Ban enfants qui peut mal vivre la séparation des autres parents. Nous ban malades, ban qui fatigués, ban qui découragés en la vie. Seigneur, te même nous la vie, écoute nous la prière. Ne fermez pas votre cœur. Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, surtout pour tous ceux qui luttent pour que le racisme ne s'installe dans notre petite île Maurice multiraciale. Que chaque citoyen, jeune et vieux, puisse respecter son prochain pour que la paix règne dans notre pays. Écoute notre prière. L'eau qui moi me donnait, pour venir la source, la vie éternelle. Bon Dieu Papa, nous confiez-toi, nous tous qui nous rassemblés à Zodi. Fais qui te parole, te présence, remette-nous devant l'essentiel. Apprends-nous l'histoire, guide-nous. Enseigne-nous. Rassemble-nous dans tout l'amour. Fais-nous, God, toujours confiance dans tes paroles. Ouvre-nous les cœurs pour nous accueillir à toi. Par Jésus ton Fils qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles.
toi toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous donne le pardon, qu'il nous guérit de nos péchés, par Jésus ton Fils qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et partout. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te chanter, te proclamer. Bon Dieu Papa, toi-même vraiment saint, toi-même vraiment grand, toi-même nous bon Dieu, nous Papa, à cause de ça même nous prier toi, envoie te l'Esprit Saint, l'eau, sa bonne offrande, ça même qui pouvine les corps et disant Jésus, le Christ, nous Seigneur. Avant Jésus, pour le mot, l'y rassembler tous aux bonnes disciples, à table, l'y prend 10 pains, l'y rend grâce, l'y casse 10 pains, l'y donne aux autres, l'y dit prends, mangez. Ça même me l'écho, me livrer, vous autres, tout. Le temps répare, pour finir, il prend la coupe du vin. Encore une fois, il rend grâce, il donne son bain de disciples. Il dit, les autres pour en boire. Ça même la coupe maudissant, disant un nouveau l'alliance, une alliance qui jamais pour finir.
disant qu'il m'a versé pour eux et pour tout le monde de la terre pour qu'ils aient péché pardonné. Chaque fois que je fais ça, je t'ava pense-moi. Son fin mort, les fins ressuscités. Nous rappelle lui-même de nous du pain qui donne la vie, la coupe qui sauve nous. Nous dis-toi merci, merci parce qu'il te fin recevoir nous, te fin accueillir nous, te fin choisir nous ce soir pour être avec toi. Nous demandons-toi, garde-nous tout ensemble, dans nous la case, dans nos travail, dans nous l'église, dans nos paroisses. Garde-nous tous ensemble dans nos pays. Pas oublier nous l'Église dans le monde, nous les papes François, nous l'évêque Maurice. Pas oublier nous pays qui sont fragiles, mais nous connaissons avec nous, nous pas gagnons paix. Pas oublier nous bonnes frères, nous bonnes sœurs qui viennent quitter nous finaler. Donne-nous la lumière. Enfin, nous prions toi pour nous-mêmes quand nous l'air pour arriver. Donne-nous une place à côté Marie, Maman Bon Dieu. À côté de Saint-Joseph, tout bon apôtre, tout bon saint, Saint-Patrick, Saint-Anne, nous prions-toi, nous louons-toi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, avec confiance, nous allons chanter le Notre Père. Notre Père. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Moi ? Passe tous nos péchés.
Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
plainte et tu exauces ma prière. Des terres lointaines, je t'appelle. Quand le cœur me manque, tu me conduiras jusqu'au rocher trop loin de moi. Car tu es pour moi un refuge face à l'ennemi. Ô prends pitié, ô mon Seigneur, mon Dieu, mon rempart, mon sauveur. Ô prends pitié, ô mon Seigneur, mon Dieu, mon refuge, roc de mon cœur. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde. Seigneur, mon désir est devant toi, et rien ne t'échappe. Tu es mon secours, mon Dieu, Seigneur, ne tarde pas. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Ô prends pitié, ô mon Seigneur, par mon sauveur. Ô prends pitié, ô mon Seigneur, mon Dieu, mon refuge, roc de mon cœur. Ô prends pitié, ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon rempart, mon sauveur. Ô prends pitié, ô mon Seigneur, mon Dieu, mon refuge, roc de mon Donc nous sommes heureux de que ce soit les 40 heures à Saint-Patrick et à Sainte-Anne, et qu'après la messe, le Saint-Sacrement sera exposé. Les annonces de la semaine, comme chaque lundi de carême, nous avons la formation avec moi sur l'Ancien Testament, sur le texte de l'Ancien Testament, celui que nous venons de lire, l'Exode. Alors, à 18h15, de 18h15 à 20h, à la salle Laura Nélan. La rencontre des parents de la confirmation aura lieu mercredi prochain, le mercredi 15 mars, à 18h30, toujours à la salle Laura Nélan.
Je vous rappelle que la messe de clôture des 40 heures sera célébrée demain à 17h30. Vendredi prochain, c'est la fête de Saint-Patrick. Nous la fêtons une fois par an, le 17 mars. À cette occasion, je demande à tous les groupes existants de la paroisse, que ce soit la chorale, les lecteurs, les brancardiers, les donneurs de communion, et tout le monde, de venir avec un panneau qui sera affiché sur les murs, qui nous rappelle, après des ans, qui nous rappelle aujourd'hui où nous sommes, que nous sommes rassemblés. On n'avait pas cette foule l'année dernière, ce n'était pas possible. Eh bien, cette année-ci, aujourd'hui, c'est possible. Alors, c'est pourquoi on veut que ces 40 heures, que cette messe de la paroisse, de notre fête du 17 mars, soit une messe casse-paquet avec donc, tous les groupes et tous les membres des groupes. Donc, venez en foule, et puis c'est un bring and share, pas Vinzi share seulement. Hein, pas oublier Bring aussi, et donc il y aura des gens qui vont installer tout pour cette soirée. Nous aurons une retraite paroissiale. On le fait pendant le carême, c'est pas habituel, mais on le fait cette année-ci avec l'UAP et d'autres qui ont préparé cette retraite paroissiale après la messe de 9h. Donc dimanche prochain, le 19, nous avons la messe de 9h. Après la messe de 9h, ceux qui vont venir avec votre voiture et tout le monde, on ira au collège du Saint-Esprit. Là-bas, il y a de l'espace, on nous reçoit. Donc, on fera notre retraite là-bas, au collège du Saint-Esprit, de 10h en gros jusqu'à 16h. Donc, elle est l'occasion pour nous de nous rassembler. Vous connaissez, il y en a beaucoup qui a le port. Bis, elle fait 14 églises. Il dit bon, fait 14 églises, mais ça, les 19 là. Ça, un jour spécial pour la paroisse, quand nous pouvons en retraite. Alors, venez, parce qu'il y a de la place, on sera ensemble, on va partager autour de Saint-Joseph. Le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph. Alors, nous parlerons de Joseph, nous prierons avec Joseph. Donc, pas oublier, et tout le monde qui a le taux, qui vient dans notre loto, vient dans notre loto pour nous capables d'amener tout le monde là-bas. Alors, il y a un appel spécial qui nous pouvons faire le samedi 25 mars. Nous appelons ça le bol des pauvres. Le samedi 25 mars, pour le dîner. Quand nous dînons le samedi, il y a beaucoup à faire sur la table, non? Alors, cela nous pouvons prendre juste un bol de la soupe. Un bol de la soupe pour nous rappeler que nous sommes en carême. Et l'argent sera versé à la crèche que nous sommes en train de faire en ce moment. Vous savez que la paroisse est Caritas, nous allons gérer une crèche, nous aurons la gestion de cette crèche qui se trouve à Père-Laval. Donc, nous pour cet argent, donc nous donne 100 roupies, avec 100 roupies, nous pouvons gagner un bol avec la soupe et les rescasses pour servir pour cette crèche. Donc, venez en grand nombre, vous pouvez vous inscrire au bas de l'église, inscrivez-vous. Pour nous connaître, c'est pas nous besoin de faire 20 bols, 100 bols, 200 bols pour nous connaître. Donc, c'est 100 roupies par personne et l'argent qui reste sera versé à la crèche. Mercredi, c'est... Bon, pas ça mercredi, là. L'autre mercredi, c'est congé public. Et à l'occasion du congé public, le FBTM, dont je suis responsable, le FBTM, c'est la formation biblique et théologique. Eh bien, nous pouvons faire une formation ici, à 9h, sur les actes des apôtres, sur l'Éthiopien et Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce qu'il nous comprend, c'est la Bible qui nous peut lire, là? Est-ce qu'il nous comprend quand nous peut causer? Quand nous lisons l'Évangile, est-ce qu'il nous comprend? Qui est bizarre pour nous comprendre? C'est la question que pose l'Éthiopien à Philippe. Alors, Vini, ça, mercredi 22, de 9h à 14h, nous pour présenter ce texte. Alors c'est apporter 150 roupies parce qu'il y aura aussi à manger et à boire avec cet argent. C'est l'inscription. Donc n'oubliez pas le FBTM le mercredi 22 mars. Alors, ben scout qui veut faire là, Viviano, ben scout qui veut faire, Giovanni?
Viens devant là, viens devant. Alors, les scouts de la paroisse recrutent en ce moment. Donc, c'est les jeunes de 7 ans à 18 ans. Enfin, on peut pousser jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire, on a trois sections. La section des louveteaux, donc, qui est entre 7 à 10 ans et demi. La section des scouts, qui est entre 11 ans à 15 ans et demi. Et ensuite, on a la section des aventuriers, donc de 16 ans à 18 ou 16 à 20. Voilà. Donc, tu peux recruter. Voilà. Jusqu'à la fin de mars. Donc, pour ceux qui sont intéressés, donc les chefs sont présents sur la paroisse à partir de 2h de l'après-midi. Donc, vous pouvez les rencontrer à ce moment-là et ils vous donneront plus ample information pour la suite. Voilà, c'est tout. Alors, les quêtes ont rapporté 17 905 roupies et l'autofinancement 22 425 roupies. Alors, avant de terminer, moi, j'ai envie de dire un petit mot sur ce qui s'est passé vendredi, hier, devant le Collège Royal de Kyopip. Affirmative Action, même si Patina Collège, nous finons là-bas, devant le Collège, et avec nos pancartes, nous avons envie de manifester en silence sur les insultes qui ont été lancées par les élèves dans un chant, les insultes aux femmes créoles qui ont été traitées de nation Van Lapo F. Je ne vais pas vous dire l'IA, c'est là. Hein? Si vous êtes allé au Facebook, je vous en dis que vous me dire. Vous faites une petite censure dans l'église. Bénoufine vigoureux, nous avons été fermes dans nos propos. Nous avons rencontré le recteur. Mais il n'est pas trop comprend ce qu'il nous dit. C'est un homme bien, hein? C'est un homme gentil qui nous a bien accueillis, mais il n'est pas fini de comprendre ce qu'il nous dit, à tel point que quelques heures après, l'union des recteurs finit sortir un communiqué pour dire comme ça, qui sont trois prêtres qui finissent une cause en lila, parce qu'il est comme un religieux, non? C'est nous-mêmes, c'est-à-dire le père Mongela, le père VDR et moi-même, ces trois prêtres-là fait pécasse la cohésion nationale. Mais je me dis, mais qui c'est là qui fait une casse cohésion nationale? Nous ou bien autres? Alors, j'ai écrit un article tout de suite que j'ai envoyé à Défi Média, que j'ai envoyé sur la toile, qui sera distribué et vous allez voir ce que je dis. Pourquoi nous pas capables de rester tranquilles? Parfois, nous trop restons tranquilles et nous bien montrer nos présences, qui nous l'a. Et qu'on ne peut pas dire several Mauritians, quelques Mauriciens, finissent blessés par ça. Ça veut dire que several, nous 30%, nous-mêmes several, c'est tout. Alors ça nous fait causer. Ben, ça fait comme ça qu'ils nous causaient, et Père Monselor, et Père Jean-Claude, et moi. Alors voilà, donc, allez-y, allez lire, ce que, si vous n'avez pas lu, mais même au quoi, nous besoin être vigilants et être fermes dans nos propos. Pas oublier tout ce qui est vendu, la vie catholique, l'album de Père Laurent Rivette, et n'a la Bible, livré sur, pour les enfants, et puis le livret de carême, pas oublier à ce nous livret de carême, et puis est en vente deux CD, le CD de Gino Etive et de Roger Cerveau, que vous pourrez trouver. Ben voilà. Voilà, chers amis, et maintenant, nous pour expose le Saint-Sacrement en signe et qui pour aller toute la nuit, vous pouvez venir à n'importe quelle heure de la nuit, toute la nuit jusqu'à la messe de 7 heures.
Jésus, me voici devant toi.